Comment j'ai réagi aux critiques et les gens qui m'appellent Kounabelis? Bon, je suis sûr que le président a entendu parler là-bas. Comment tu peux aller nommer la dame là? Comment tu peux? Tu ne connais pas. C'est une timbrée. Ma relation avec Fabienne Essola. Non, non, non. Je n'ai pas de relation avec cette dame. J'ai horreur des personnes qui cherchent les bagarres H24 avec tout le monde. Je n'ai jamais été d'accord avec les nominations des membres du PDG. Ça n'a jamais détracteur. Yeah. J'ai même des détracteurs. Mais j'en aurai toujours. Vous voulez quel message? Mon nom de naissance, c'est bien sûr, je suis Carmen Claire Newman. Je suis une activiste engagée depuis 2016, mais bien que les gens m'ont connue en 2016 en tant qu'activiste, je suis quelqu'un qui a toujours défendu les plus défavorisés. Je suis une Bapounouf, hein. Voilà, tout un mélange que les gens aiment avoir. Je suis de père Pounou, de mère enfant de Tchoubanga, Mabanda, Makabana, Makoko, Boué, Abénélan, tout ça c'est moi. Quand m'est venue l'idée d'être militante, je peux dire que depuis toujours, je l'ai toujours été. Depuis mon plus jeune âge, je n'ai jamais aimé l'injustice. Et la résistance m'a fait juste découvrir aux yeux du monde entier, m'a fait connaître et je me suis engagée pour défendre notre pays, un état de droit et surtout les droits du peuple gabonais. Disons que mon retour au pays était un acte de patriotisme. Après autant d'années à l'étranger, à combattre pour mon pays, hors de ma nation, hors de mon territoire, il était tout à fait normal pour moi de descendre au pays et de combattre le combat national sur le territoire gabonais. Car je crois fermement qu'il est de notre devoir d'enfants gabonais de descendre tous au pays et de contribuer au développement, à l'essor et surtout à l'édification de notre cher Gabon. Quant aux accusations de ceux qui pensent que je suis une opportuniste, je laisse vraiment chacun, son point de vue sur ça. Je n'ai pas vraiment à me justifier pour ça parce que les gens vous condamnent déjà d'emblée. Donc, je laisse tout un chacun de faire son point de vue, de me juger sur mes actes. Voilà. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est ce que moi, je peux faire pour mon pays. C'est ce que je peux faire. Je peux être là et contribuer pour mon pays. Voilà, les interprétations ou les accusations d'opportunisme envers ma personne, vraiment, ça ne me regarde pas. Les uns les autres peuvent avoir chacune son interprétation ou par rapport à ma venue au Gabon, ça ne me regarde pas. Jugez-moi sur mes actions. Et là, je suis sûre que vous aurez du mal à me juger sur mes actions. Mais c'est comme ça. Alors, comment je réagis aux critiques et les gens qui m'appellent Kounabelis? Le terme Kounabelis, vous voyez, c'est un terme ou une étiquette que les gens donnent, donnent aux personnes qui osent penser différemment. Voilà, on appose cette étiquette-là à certaines activistes qui sont rentrées au pays. Moi, sincèrement, je m'en fous. Voilà, moi, je peux faire les débats d'idées, les débats de contradictoires. Je ne suis pas là à débattre sur qui fait quoi. Non, non, plutôt que de me laisser piéger dans les guerres stériles, dans les guerres. Guerres qui n'ont ni tête ni queue, je préfère moi me concentrer à l'essentiel. De toute façon, j'ai toujours été combattue. C'est pour ça que je suis une reine. Voilà. Donc les critiques ne me touchent même pas parce que sincèrement, je ne prête pas attention à ce que les gens disent sur moi. Et ça, jamais détracteur. Yeah. J'ai même des détracteurs. Mais j'en aurai toujours. Vous voulez quel message? Je dis quoi? Vous savez, ne me provoquez pas. Ah ben non. Mes détracteurs resteront mes détracteurs. Quel message je veux dire? Si ce n'est que amplifiez-vous, s'il vous plaît, la cadence. Rendez-moi encore celle qui fait de vous les détracteurs que vous êtes. Non, je n'ai pas un message pour eux. Vous savez ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. C'est à cause de ça que on ne m'aime pas. Voilà, donc je n'ai pas un mot pour eux. Hein. C'est gaspiller mon temps. De toute façon, moi, je ne regarde plus les critiques. Affrontement politique avec Billy Bézé, quelle est ma stratégie? Non, mais sincèrement, oh. Je sais que même vous-même, là, vous êtes en train de m'interroger, là, vous ne croyez même pas à ma personne. Mais ça, encore, c'est à votre niveau. Moi, je crois en moi. Donc, ce que je vais te dire là, je crois fermement ce que je crois. Donc, même si j'avais une stratégie, vous penserez que je viendrais vous dire la stratégie, une la stratégie, mais non, mais oh, voyons. Mais bon, soit, mais ce n'est qu'un débat. Et juste affronter, mon cher oncle, sur les faits, sur la réalité. Donc, je vais me baser sur ce qui existe. Donc, mon débat sera fondé sur les idées. Mon débat sera fondé sur les actions. Voilà, parce que je suis la mieux placée au Gabon pour contrer et battre les Louise. Mais bon, je pense que c'est passé et puis je n'ai même plus le temps pour ça. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, ma relation avec Fabienne Essola, quel conseil? Non, non, non. Je n'ai pas de relation avec cette dame. J'ai horreur des personnes qui cherchent les bagarres H24 avec tout le monde, dans l'esprit d'exister. Il y a une catégorie de personnes, pour exister, ils aiment aller affronter ou provoquer des gens qui sont dans leur côté. Et moi, je n'aime pas m'entendre avec ce genre de personnes. En théorie, je n'ai pas de problème avec elle. C'est elle qui commence à me provoquer. Si au moins même, laissez-moi prendre quelques minutes sur ce cas.
en juillet 2024, c'est-à-dire le 24 juillet, lorsque j'ai fait mon affrontement avec la police, si à cette époque-là, la compatriote se serait prononcée, comme tout le monde était fâché, comme tout le monde s'était prononcé, j'allais comprendre. Parce que même dans ma famille, au sein de ma famille, beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi. Moi-même, je n'étais pas d'accord avec moi-même. Parce que sincèrement, quand je me regarde ma vidéo où je suis en train de crier, je suis au commissariat des travailleurs, je suis au commissariat des travailleurs, moi-même, j'ai été choquée. Excusez-moi. Mais si à cette époque-là, la compatriote se serait prononcée, je n'aurais rien dit. Sincèrement, parce que j'estimais à ce moment-là, je méritais le coup. Je méritais vraiment ce qui m'arrivait. Parce que quand je me suis revue, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça la différence avec certains d'entre vous. Moi, j'essaie de me remettre en question. Mais là, elle sort, elle me fait comparaison avec Billy Bizzle parce que j'aurais fait un post sur Billy Bizzle. Eh bien, j'ai horreur de ce genre de personnes qui, pour exister, sont obligées d'aller provoquer d'autres personnes. Non, je n'ai pas le temps avec cette femme-là. Je n'ai pas, c'est-à-dire, je m'aime tellement, j'ai tellement de l'estime pour moi que moi, j'aime rester dans mon côté. C'est parce que je me respecte que je ne provoque pas les gens. C'est parce que je me respecte que moi, Claire Niman, je n'irai jamais faire un live sur Famine Soula parce que je ne la vois pas. Je ne sais pas, c'est pour ça que je me traite d'orgueil. J'ai un orgueil surdimensionné. C'est-à-dire que je ne blaire, quand je ne blaire pas les gens, je ne parle pas de ces personnes-là. Mais si ces personnes me provoquent, alors elles me trouvent. Mais dans tous les cas, c'est une compatriote qui fait son combat. Je suis pour lui, madame, bien évidemment. Je ne me provoque pas, je ne me regarde même pas ce qu'elle fait. Je ne me suis jamais intéressée. Mais je me rends compte qu'elle s'intéresse beaucoup à moi. Et force de constater que j'ai de l'impact dans leur vie. Voilà. Parce que vous voyez, elles n'ont pas d'impact dans ma vie, je ne m'intéresse pas à elles. Si je ne suis rien, pourquoi parler de moi? Mon conseil, chère petite sœur, reste dans ton côté, fais ton travail, sincèrement, évite-moi. On n'a pas élevé les moutons ensemble, je ne te connais pas. Est-ce que j'ai confiance à Brice Clotaire-Oligny? Oui. Oui, j'ai confiance à cet homme, j'ai confiance au président de la République. Voyez-vous, je pense et je crois qu'il a une réelle volonté du changement de notre pays. Il a une volonté de faire avancer les choses. Et il a ce leadership naturel, autant pour moi, qui vise à apporter le changement des réformes que nous, le peuple gabonais, avons besoin depuis longtemps. Il amène de l'espoir, même si beaucoup de personnes n'y croient pas, croient vraiment à sa politique. Et je suis sûre que derrière cette carapace de militaire se trouve un homme au grand cœur qui a de l'amour pour le peuple, qui ne pense qu'au bonheur du peuple gabonais et qui a qu'un seul intérêt, c'est de rendre le Gabon Dubaï dans les années qui arrivent. Mais oui, sincèrement, je crois. Et voilà. Donc, pour moi, Brice Clotaire-Oligny est la personne qu'il fallait pour notre pays. Voilà, c'est comme ça. C'est moi, c'est mon point de vue. Et je ne discute avec personne. Les anciens opposants, enfin, les anciens pédagogistes, est-ce que je suis d'accord avec ça? Vous savez ce qui se passe dans la tête du président Oligui? Personne ne sait. Personne ne sait. Regarder l'exemple, moi, je ne sais pas. Il faut demander. Lui-même, il a ses motivations. On m'a nommé là tout le monde. Je suis sûr que le président a attendu parler là-bas. Comment tu peux aller nommer la dame là? Comment tu peux? Tu ne connais pas. C'est une timbrée, c'est une carte. Là-bas, il a dit que je veux qu'elle soit là. Bref, c'est pour dire que le président de la République, c'est quelqu'un, il a ses stratégies dans sa tête. Je n'ai jamais été d'accord avec les nominations des membres du PDG. Mais encore là, vous prenez ce que vous voulez. Certains Gabonais retiennent de moi ce qu'ils ont envie de retenir. C'est-à-dire que même quand j'ai fait les dénonciations d'emprunt, je n'ai pas à me justifier. Mais je n'ai jamais été d'accord. Mais je pense que si j'enlève mon côté émotion et j'essaie d'être pragmatique, je pense qu'il a une autre vision. Il essaie de peut-être d'accorder cette chance-là à ces personnes que hier vous n'avez pas pu. Je vous donne la deuxième chance de montrer que vous êtes capable de faire mieux que vous n'avez pas pu faire hier. J'espère, peut-être à tort, que c'est ça sa vision. Après, qui suis-je moi pour condamner ces personnes-là d'avoir une deuxième chance dans la société? Donc, ils sont alors aussi les bienvenus pour travailler et montrer que hier, nous étions, pour ne pas être impolis, des bâtards. Mais aujourd'hui, nous sommes des Gabonais qui veulent aussi aider notre pays à avancer. N'étant pas d'accord, mais je peux comprendre. Je suis la preuve palpable que lui-là, il n'y a que lui-même qui sait ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Donc, même si je ne l'accepte pas. Voilà, c'est ça la démocratie. La neuvième question. Un message aux Gabonais. Oh là là. À mon cher peuple gabonais, unis dans la concorde. Il n'y a que ça, je peux vous dire ici. Nous traversons sûrement une période cruciale, mais difficile. Mais nous pouvons surmonter cela si et seulement si vous êtes des Gabonais conscients de l'avenir de leur pays. De l'avenir de notre pays. Voilà, il n'y a que ça, je peux vous dire. Unis dans la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité. Oh, je suis fatiguée de parler, pardon. Donne-moi un mot de fin. Aïe, aïe. Alors, la dixième question, c'est si le président devait me nommer, quel poste me nommerait? Quel poste je voudrais? Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime donner la chance à tout le monde. Je vais d'abord répondre à cette question, c'est que je suis à la place, il me faut, c'est-à-dire la place d'être gabonaise. Je ne cours pas après les honneurs, je ne cours pas après les nominations. Il faut vraiment retenir cela. Moi, je cours plutôt vers la stabilité sociale, vers l'humanisme, vers l'amour envers les autres, l'amour de soi, le vivre en commun. Donc, je ne cours pas après les nominations. Mais si une nomination m'est donnée, je prendrai. Si une nomination m'est offerte, je prendrai.
Je ne suis pas là à dire que je veux ça, je veux ça. Non, 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 non. Ce que je veux, moi, dans la société, c'est pouvoir amener mon expertise à mon niveau, créer mes entreprises, être là pour le Gabon. Oui, j'estime que beaucoup de Gabonais méritent de prouver leur capacité. Mais le président a le droit d'accorder la chance à toutes ces personnes-là qui ont envie d'exceller, qui ne sont pas forcément le monsieur ex-ancien pédagogiste, monsieur ancien opposant, mais il y a des jeunes Gabonais aujourd'hui qui sortent des grandes écoles qui ont envie de faire leur preuve. Donc j'estime que c'est à ces personnes-là. Moi, là, si demain même encore mon homme, demain, vous allez me sacrifier. Vous allez me sacrifier gratuitement. Donc moi, je suis fatiguée d'être sacrifiée dans vos bouches. Mais sincèrement, je ne refuserai pas tout ce qu'on me donnera pour me donner autant pour moi. Pour, voilà. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'abord ce que je peux faire moi pour le Gabon, sans pour autant attendre une quelconque nomination. Je ne cours pas après. Si ça vient, tant mieux. Voilà. C'était moi, c'était Claire Newman. Sur ce, portez-vous bien. Bisous.